Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Alors bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où je te présente deux banques en ligne que tu peux utiliser pour faire du business en ligne depuis l'Afrique. Avec ces banques, les deux banques que je vais te présenter dans cette vidéo, tu peux le lier directement à tes boutiques en ligne et également l'utiliser également pour le lier à Stripe, à PayPal et également le lier à ton compte local afin de pouvoir faire tes virements depuis le compte en ligne vers ton compte local et utiliser ton argent en version franc CFA, en devise franc CFA. Alors voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler encore de quelque chose qui est vraiment nécessaire si vous voulez vous lancer dans le e-commerce ou dans le business en ligne ou dans le drop service ou dans n'importe quel business, parce que ça ne servira à rien de se lancer dans un business où on n'arrive pas à recevoir, à percevoir l'argent de nos clients. Donc nous allons tout juste passer après ce générique. Allez! Ok, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis un développeur web et mobile et un web entrepreneur de profession. Dans cette vidéo, je te présente deux banques en ligne que tu peux utiliser pour percevoir l'argent de tes clients, pour percevoir l'argent des entreprises, pour le lier à Stripe, à PayPal également. Et tu utilises cette même banque-là, ce même compte-là en ligne et tu le lies à ton compte local et tu peux même demander également des cartes qu'ils peuvent t'envoyer directement par la poste et tu iras récupérer. Avec ces cartes là, tu vas pouvoir faire tes retraits dans le guichet automatique de façon rapide, simple et illimitée. Donc voilà, d'abord, avant de continuer cette vidéo, j'avais lancé un jeu concours en disant si quelqu'un me présentait ces deux banques là que je vais présenter dans ma prochaine vidéo, celle-ci, la personne aura droit à un cadeau de Noël qui coûte jusqu'à 197 €. Alors, laissez-moi vous dire, dans le cadeau de Noël, il s'agit de ma formation qui vous montre comment vous allez pouvoir créer votre entreprise offshore, créer également vos banques en ligne business, les lier à Stripe, créer votre compte Stripe, les lier à Stripe, créer votre compte PayPal Business et le lier à votre compte PayPal Business. Si vous êtes ensemble avec moi et que vous voulez vous lancer dans le dropshipping en 2022, il vous faut nécessairement cela. Pour ceux qui ne vont pas gagner ce jeu, je vous mettrai dans la description la formation et aujourd'hui, la formation va coûter que 17 €. Donc, vous allez passer à l'action aujourd'hui parce que la formation coûte désormais 197 € à part les 24 heures qui viennent parce que la formation aujourd'hui est à 17 €. Donc le lien sera dans la description, ça sera le premier lien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour prendre votre formation et être rapide parce que sans ça, vous n'allez pouvoir pas suivre les vidéos concernant le dropshipping parce que le dropshipping, c'est un business model que moi, j'aspire commencer en 2022. C'est mon premier objectif et je compte y arriver coûte que coûte. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un compte Stripe. J'ai besoin d'un compte qui percevra mon argent, l'argent de mes boutiques. J'ai également besoin d'une société offshore. Et je vous ai tout montré dans cette formation d'un compte PayPal, compte bancaire, société offshore, tout et tout. La totale. C'est pour cela que la formation s'appelle Tout en un. Donc, le lien sera dans la description. Vous pouvez vous servir. Vous n'avez que moins de 24 heures parce que j'ai lancé le compte à rebours aujourd'hui. Donc, à part aujourd'hui, c'est que demain, la formation va passer à 197 €. Alors, si j'étais à votre place, je vais passer à l'action tout de suite. Alors, concernant le jeu, pour ceux qui ne savent pas, là, sur mon compte, vous allez dans Communauté. Et une fois dans Communauté, vous allez voir les posts que je fais. Donc, j'ai l'habitude de poster des écrits, c'est-à-dire des posts, afin de vous présenter un peu le business, la vidéo que je vais présenter dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc, j'aurai également l'habitude d'offrir également ces genres de cadeaux. Et alors, pour ceux qui me suivent et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous demande de souvent consulter cela. Vous allez pouvoir voir mes posts et vous pouvez commenter également. Donc, je vais vous présenter deux
banque aujourd'hui et nous allons commencer tout de suite. Alors, le premier compte bancaire que nous allons étudier aujourd'hui, il s'agit de Payoneer. Payoneer, c'est quoi? Payoneer, c'est la meilleure banque que moi je puisse vous dire si vous êtes en Afrique et que vous voulez faire du freelancing. D'abord, Payoneer est indispensable parce que, à part Payoneer, il y a également PayPal, mais PayPal n'est pas accepté en Afrique. Donc, tout ce que vous aurez à faire, vous allez créer votre compte Payoneer. Il y aura un lien dans la description. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus et créer votre compte Payoneer. D'abord, je vous présente mon compte Payoneer où j'ai déjà reçu plusieurs centaines d'euros. Déjà sur mon compte, j'ai déjà retiré, j'ai changé des devises de euros en dollars parce que c'est un compte multi-devises. Je peux recevoir de l'argent en livre sterling, je peux recevoir de l'argent en yen. Le yen japonais, je peux recevoir de l'argent en dollars, je peux recevoir de l'argent en euros. Alors pourquoi ne pas essayer également vous-même? Si vous comptez vous lancer dans le business en ligne, c'est vraiment très très important pour vous d'avoir un compte Payoneer. Je vais vous présenter ensuite la deuxième banque que vous pouvez utiliser en ligne pour percevoir vos sous également depuis vos boutiques en ligne. Alors, Payoneer, vous pouvez le voir sur mon compte. Payoneer dispose d'un multiple devise où vous pouvez percevoir de l'argent de partout dans le monde. Donc, si vous aviez un client qui est au Japon et que vous aviez fini de discuter avec lui et il veut quand même vous payer directement, pas besoin de vous tracasser. Vous lui envoyez simplement les informations de votre compte en yen japonais. Vous lui envoyez ça, lui, vous faites directement un virement. Le virement, c'est... Et vous l'aurez au bout de 3 jours, vous avez déjà votre virement. Vous allez pouvoir le retirer directement en votre devise France CFA. Là, vous allez ajouter votre compte bancaire local, que ce soit un compte courant ou ce soit un compte épargne. Donc, vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir percevoir vos sous en ligne. Donc, c'est vraiment important pour vous, si vous êtes débutant, de créer un compte Payoneer. Voilà. Donc, le deuxième compte que je vais vous présenter, on a déjà parlé de ça auparavant. Il s'agit de TransferWise. TransferWise, c'est également une banque en ligne que vous pouvez utiliser. La version recommandée, c'est la version business. La version business de Payoneer et la version business de TransferWise, c'est-à-dire Wise aujourd'hui. Parce que ça, j'ai assez de devises et ça, j'ai dans plusieurs pays maintenant. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'entrepreneur. Et là, si vous êtes en France, vous pouvez utiliser directement les informations concernant votre micro-entreprise. Maintenant, si vous êtes en Afrique comme moi, vous allez devoir créer votre société offshore. Et pour créer votre société offshore à moindre coût, j'ai mis en place la formation qu'il vous faut pour vous lancer. Pour créer votre société offshore de manière automatique. En moins de 24 heures, vous avez les informations de votre entreprise. Beaucoup de mes élèves en ont parlé. Vous allez tout voir en cliquant sur le lien. Vous allez voir la présentation. Vous allez voir les preuves que j'ai eues, c'est-à-dire mon compte Stripe qui perçoit déjà de l'argent aujourd'hui. Mon compte bancaire qui reçoit de l'argent déjà. Il y a également ma société qui dispose également de ces informations. J'ai un site où j'ai mis mes informations là-dessus, un site légal qui représente mon entreprise, tout et tout. Donc, vous allez tout voir dans la formation. J'ai partagé mon écran afin de vous montrer de A à Z comment vous allez pouvoir faire. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, je ne vais pas trop insister là-dessus. Vous cliquez tout simplement dans le lien dans la description. Merci. Donc, voilà, il s'agit des deux comptes Payoneer et également Wise. Donc, ces deux comptes-là sont les meilleurs comptes bancaires que vous pouvez créer aujourd'hui en étant en Afrique, Bénin, Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, vous allez pouvoir créer ces comptes-là très facilement, le lier à vos comptes locaux et également retirer de l'argent en toute sécurité. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser. Moi, j'utilise Wise Business. Voilà, et j'ai plusieurs devises. J'ai plus de 10 devises, mais je peux ajouter jusqu'à 100 et quelques devises. Donc, je peux recevoir de l'argent dans presque la majorité des devises populaires. Donc, j'ai voulu vous présenter Wise également en tant que meilleur business et meilleur compte bancaire que vous pouvez ouvrir aujourd'hui en Afrique. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez également ouvrir le compte simple, le compte personnel, si vous n'avez pas un grand business à lancer et que vous voulez simplement percevoir de l'argent.
Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Bombardez-moi de pouces bleus pour que l'algorithme YouTube puisse référencer cette vidéo. Et partagez également cette vidéo si vous pensez que ça pourra aider quelqu'un. Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Et dites-moi dans les commentaires les deux, comptes bancaires que je vous ai présentés. Lequel avez-vous ou lequel voudriez-vous créer? Donc, vous allez me faire savoir cela et peut-être je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo détaillée qui vous montre comment vous allez pouvoir créer un compte Payoneer et un compte Wise. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous me connaissez à travers cette vidéo. Et si vous êtes vraiment intéressé par le business en ligne, le dropshipping, le e-commerce, rendez-vous en 2022 et abonnez-vous surtout et restez câblé. Je ne vais jamais cesser de vous offrir le meilleur pour pouvoir agrandir votre réseau, gagner plus d'argent. À la prochaine. Ciao.